Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 1er avril, c'est le jour de sortie d'un album extrêmement attendu de l'année, puisqu'on va le découvrir ensemble. Hop, il s'agit de l'album Suspense, Unlimited Love de Red Hot Chili Peppers. Donc c'est un album extrêmement attendu, comme je l'ai dit, parce que ça marque le retour du guitariste qui était parti et du coup le groupe avait fait sans lui avec un autre guitariste pendant 10 ans. Et donc les deux albums précédents étaient sans ce fameux guitariste John Frusciante, avec une patte au niveau de la guitare qui est extrêmement reconnaissable. Et donc voilà, tous les fans attendaient cet album avec le retour de John. Et donc voilà, donc deux vinyles ici, vous voyez ici, on l'a pas vu, mais c'est une édition limitée avec un vinyle blanc. Alors, sachant qu'ils ont fait, je pense, au moins 15 variantes, si ce n'est plus, d'éditions limitées avec une couleur différente à chaque fois. Donc je ne sais pas si vraiment, voilà, ça vaut vraiment le coup d'avoir une édition limitée sur cet album-là. Voilà, donc c'est parti, c'est une émission limitée juste. C'est la Fnac, hein, je crois, qu'il le fait en France en tout cas pour cette édition blanche. Donc c'est parti. Alors je sais pas combien d'exemplaires hein, à l'heure actuelle a été tiré pour cette édition blanche. Parce que la page sur Discogs, au moment où je fais la vidéo, n'a pas encore été créée. Voilà, donc je mettrai ça dans la description hein, dès que j'aurai des informations en plus, si j'en ai, par rapport au nombre d'exemplaires produits, et j'actualiserai la vignette. Alors, on a un petit étui en papier avec le vinyle à l'intérieur, enfin l'un des deux vinyles. Les pistes ici, hop, toutes les autres pistes du vinyle ici avec les paroles, ça fait du bien ça, hop. Voilà le vinyle. Je sais pas, je pense pas que c'est du 180 grammes, je pense que c'est plus du 140 à première vue. Voilà les macarons. Tac. Je vais poser ça là-bas. Alors je crois pas qu'il y a de carte de téléchargement. Moi, je pense que je l'aurais vu. Donc le deuxième étui. Avec le petit logo Honor Records. Et voilà le deuxième vinyle blanc. Et la face C. C'est la conclusion de cette vidéo avec ce magnifique album des Red Hot Chili Peppers. Voilà, avec le titre Black Summer, donc le lead single de cet album, très très bonne chanson qui marque vraiment le retour de John avec panache, si je pourrais dire. Donc voilà, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous avez d'autres vidéos d'unboxing de vinyle des Red Hot Chili Peppers. Et bien entendu, s'ils sortent d'autres albums, et ils sortiront encore d'autres albums, je ferai des unboxings probablement sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine et salutations.